la famille, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne Décor Life by Nana. Et n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout activez la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Et si vous êtes ancien, bienvenue encore une fois de plus. Merci d'être là, vous êtes vraiment génial. Mouah, merci. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui a rien à voir avec la déco, c'est une vidéo mode. Cette vidéo m'a été demandée depuis les débuts de ma chaîne, mais j'arrêtais pas de fuir. Et là récemment j'ai fait un sondage sur Instagram pour demander aux filles si elles étaient intéressées que je fasse une vidéo mode. Et tout le monde a répondu oui. En tout cas la plupart des filles qui ont participé à ce sondage ont répondu oui. Je crois à 97% les filles vous avez répondu oui. Donc là j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Donc c'est un try on haul. Je vais vous présenter les articles que j'ai achetés pendant les soldes et je vais les essayer pour vous montrer en fait comment ça fait sur moi. Donc voilà. Et les filles, tous les articles que je vais vous montrer, ce sont des articles que j'ai achetés en magasin. J'ai rien commandé en ligne. Et donc, je ne sais pas si je vais trouver les références. Si je trouve les références en ligne, je vous le mettrai en barre d'infos. Sinon, ben, je suis vraiment désolée. Hein, j'ai rien commandé en ligne. Je suis vraiment désolée. Donc, on va commencer. Je commence par ce haut que je porte. C'est un chemisier qui vient de chez Bershka. J'ai acheté chez Bershka à 14,95 francs. Et je vais vous donner aussi les prix en francs suisses. Et ensuite, je vous mettrai l'équivalence en euros. Donc voilà, c'est un haut genre croc top. Vraiment j'aime beaucoup et il y a deux lanières qu'on peut nouer juste au-dessus de la poitrine donc pour faire un nœud derrière et c'est vraiment très joli, c'est très simple, c'est vraiment basique mais c'est vraiment très très joli. Et les tissus, il est vraiment très très léger, c'est très très joli, moi j'aime bien. Et j'aime bien les manches qui arrivent, les manches 3/4. Donc c'est vraiment un haut qui me convient très parfaitement. Ça vous pouvez mettre avec une jupe taille haute ou un pantalon taille haute. Voilà, et on continue toujours avec Bershka. Donc chez Bershka, j'avais acheté deux articles. Et là je vais vous montrer un jeans noir que j'ai acheté de chez Bershka. C'est un jean tout simple, hein, mais il y a deux bandes blanches de deux côtés et c'est ça qui fait toute la différence. Ça m'a coûté 14,90 francs aussi. J'ai coupé déjà les étiquettes. Il est vraiment très bien, il est très stretch et moi j'aime beaucoup. En fait c'est un slim. Voilà, il est vraiment magnifique. Donc voilà ce que j'ai acheté chez Bershka. Et ensuite on passe chez Zara. Donc chez Zara j'avais pris ce t-shirt blanc tout simple. Ça m'avait coûté 9,90 francs. Vraiment j'aime beaucoup, c'est très basique mais j'aime bien le rectangle au milieu, c'est ça qui fait vraiment toute la différence, ça fait ressortir le t-shirt, il est tout simple. C'est ça que je mettrai, en fait je vais le porter avec le jeans de chez Bershka que je viens de vous montrer et ensuite je vais l'associer avec une ceinture Ralph Lauren que j'ai, ça fait déjà très 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 longtemps et le rendu est pas mal, franchement moi j'aime bien, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà. Et ensuite toujours chez Zara je me suis acheté cette jupe coupe droite noire basique aussi, c'est vraiment le style de jupe que j'aime et ça m'a coûté 29,90 francs. Elle est très belle, elle est gainante je dirais, oui. J'aime bien ce genre de jupe chez Zara, c'est vraiment ce qu'il me faut. Et voilà. Donc, on continue toujours chez Zara, j'avais pris aussi ce body. J'aime bien le couleur, donc il y a un mélange de noir, vert et rouge et ça m'a coûté 7,95 francs. Franchement c'est vraiment donné, à la base il coûtait 25,90 francs et ils l'ont soldé à 7 francs et quand je suis tombée dessus je n'ai vraiment pas hésité. C'est vraiment les genres de body que je mettrais sans hésiter parce qu'il est en... Il est en manche longue et c'est vraiment ce qu'il me faut. Donc du coup, je les mettrai avec la jupe coupe droite de chez Zara que je viens de vous montrer. Et le rendu est aussi pas mal. Ça fait vraiment habillé, ça fait très classe. Donc voilà. Et on continue toujours chez Zara. Donc je me suis acheté aussi cette robe bleue à rayures. Ah, ça c'est mon coup de cœur de mes achats pendant les soldes. J'aime beaucoup cette robe et malheureusement il n'y a plus d'étiquette. Elle m'a coûté aussi 29,90 francs.
Voilà, elle est très très belle, elle est très 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 légère, c'est vraiment une robe d'été. Quand vous la portez, vous sentez presque rien sur vous, il y a vraiment l'air qui passe et j'aime beaucoup. Donc les manches arrivent au niveau des coudes et puis elle a des lanières aussi. Donc deux lanières qu'on peut nouer juste au-dessus, en dessous de la poitrine. Et elle est très très jolie, vraiment j'aime beaucoup. Et c'est ça qui fait vraiment la différence, c'est ça qui fait que cette robe elle fasse vraiment vraiment habillée. Donc voilà, on continue toujours chez Zara. Je me suis acheté aussi cette jupe coupe droite aussi, j'aime beaucoup les jupes coupe droite de chez Zara. Donc j'aime beaucoup ce mélange de rouge et noir, c'est vraiment les couleurs qui me vont. Et elle m'a coûté 9,90 francs. Voilà, et elle est très belle, elle est très belle, j'aime beaucoup comment ça fait sur moi, ça fait vraiment ressortir mes formes et c'est très joli. Et du coup je vais l'associer avec un haut de chez H&M, cette blouse noire qui est très belle aussi et très 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 légère, et elle m'a coûté 9 francs. Elle m'a coûté 9 francs et c'est mon seul achat de H&M. Et pourtant moi, pendant les soldes, j'achète beaucoup chez H&M. Mais cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vraiment pas été chez H&M. La seule fois où j'étais, j'ai seulement pris cette blouse et c'est tout. Elle est très belle, j'aime beaucoup les détails, j'aime beaucoup les manches. Vraiment très jolie, très féminine. Et franchement l'ensemble ça fait vraiment habillé, ça fait très classe et c'est vraiment très joli. Donc je vais vous montrer tout ça. Et ensuite on continue toujours chez Zara. Donc là je vais vous présenter un pantalon que j'avais acheté l'année passée mais que je n'ai pas pu le porter parce que j'ai trouvé que ça faisait un peu trop serré, et alors que ce pantalon doit être porté, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et l'année passée ça faisait vraiment un peu serré, donc je n'ai pu porter que cette année. C'est ce pantalon ici, donc c'est un pantalon palazzo et j'aime beaucoup les motifs et j'aime beaucoup ce mélange de vert et blanc cassé, c'est très 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 joli. Je l'avais déjà porté, j'avais fait une photo sur Instagram, je l'ai porté avec un t-shirt blanc. Et là je vous le présente parce qu'en fait j'ai trouvé un haut kaki que je voulais porter avec pour voir comment ça fait. Donc du coup je vous mettrai une photo du look que j'avais porté avant et celle-ci, comme ça vous pouvez voir, vous pouvez dire en fait quel est votre look préféré, si vous le préférez avec les t-shirts blancs ou avec le haut kaki que je vais mettre tout à l'heure. Il y a des lanières qu'on peut juste nouer au niveau du ventre pour bien centrer, en fait serrer au niveau de la ceinture. On peut le porter de deux manières, soit taille haute ou taille basse, c'est vraiment selon vos goûts. Et voilà, ensuite je crois qu'on a fini de chez Zara en ce qui concerne les habits. Là je vais rapidement vous montrer un de mes coups de cœur aussi, un pantalon. Voilà, ça se présente comme ceci et j'aime beaucoup, c'est vraiment les couleurs d'été, j'aime toutes les couleurs qui sont sur ces pantalons. En fait, mais il est un petit peu petit parce que je le voulais tellement mais malheureusement il n'y avait plus ma taille et du coup je l'ai pris en 38 et je trouve que ça fait un petit peu serré, vous allez voir, mais je trouve avec des culots de moins ça ferait l'affaire et je ne pouvais pas vraiment le laisser même si c'était vraiment pas ma taille. Je l'ai quand même pris et j'aime beaucoup comment ça fait sur moi même si c'est un petit peu serré. Et ouais, il est vraiment très beau. Voilà, je vais le porter avec un haut Zara que j'ai acheté l'année passée et j'espère vraiment que je vais perdre ces 10 kilos pour vraiment bien 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 le porter. Donc il m'a coûté 19,95 francs et je l'ai acheté chez Taliwell parce que je suis vraiment fan, totalement fan, et j'attends juste de perdre 2-3 kilos pour bien le porter. Donc voilà, et maintenant on va passer chez Seya. Donc j'ai pas acheté grand chose non plus chez Seya. Donc j'ai acheté ce chemisier aussi chez Seya qui m'a coûté 15 francs. Et j'aime beaucoup ces mélanges de couleurs de noir, blanc et blanc. C'est, non, qu'est-ce que je dis, noir, blanc et blanc. Oui, il y a du noir, il y a du noir, blanc et du bleu. Voilà, c'est vraiment les couleurs que j'aime porter. Et c'est très joli aussi ce chemisier. Et là aussi il y a des lanières qu'on peut nouer juste derrière. En fait, ça centre le chemisier et il est très joli. Je vais le porter avec un jeans, un pantacourt jeans blanc que j'ai déjà acheté il y a quelques années chez Zara.
Le rendu est aussi pas mal et j'aime beaucoup ce chemisier. Il est très léger. C'est vraiment des tenues d'été que j'ai acheté. Les tissus sont vraiment très très légers et j'aime beaucoup. Donc voilà. Et ensuite, on continue toujours chez CA. Je me suis acheté aussi chez j'arrive pas à parler aujourd'hui. J'ai acheté aussi ces jeans. C'est un jeans bleu clair. Et d'habitude, j'achète jamais mes jeans chez CA parce que je trouve jamais des jeans qui me vont. Mais là, quand j'ai trouvé ces jeans, je trouvais ça quand même assez, assez joli pour un jeans de CA. Donc, je l'ai pris et j'aime bien les motifs ici. Alors, ça fait vraiment ressortir les jeans au lieu que ça soit juste un jean banal. Et là, ça fait vraiment, ça donne un côté un petit plus quoi. Et c'est très joli porté aussi. Donc, voilà. Et j'aime bien la forme que ça donne sur mon corps et c'est vraiment très 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 joli. Donc voilà comment il se présente. Et voilà, on a fini chez CA. Et là, je vais vous présenter une boutique que j'ai découvert par hasard. En fait, je passais et je suis tombée dessus. Je suis allée, j'ai trouvé des trucs qui étaient pas mal sympas. Alors, j'ai fait quelques achats. Et j'ai acheté cette blouse. Oh, qu'est-ce que je suis contente de tomber sur cette blouse. En fait, cette blouse, je la voulais... Je crois que c'est une limitation de chez Zara. Je la voulais chez Zara... Mais j'ai cherché, je vois, il n'y avait plus ma taille. Et j'ai cherché presque partout, même sur internet, il n'y avait plus. Et là, quand je suis tombée sur ce magasin, j'ai vu qu'ils avaient cette blouse. J'ai même pas hésité. Et en plus, c'est même pas ma taille, mais je l'ai quand même prise. Parce que j'aime beaucoup cette blouse. Même si c'est pas Zara, mais ça fait quand même l'affaire. C'est presque comme c'est chez Zara. Donc, j'aime vraiment. Et voilà. Voilà, ces jeans que j'ai acheté dans le même magasin. Il est tout simple, hein? C'est un jeans vraiment basique. Alors la blouse, je n'ai pas dit combien ça m'a coûté. Attendez. Elle était à 24,90 francs et ils l'ont soldée à 50% plus encore les promotions. Donc je crois que je l'ai eu pour 12 francs, 13 francs à tout casser. Vraiment rien du tout, hein? C'était donné et je suis très contente franchement de tomber sur cette blouse. Et comme je vous disais, donc je vais le mettre avec ce pantalon. Donc voilà, il coûtait 14 francs et je l'ai eu à moins 50%. C'est un pantalon noir basique, hein. C'est un jeans tout noir, mais c'est vraiment un jeans, limite ça m'amincit. J'ai l'impression vraiment que ça m'amincit, ça épouse bien les formes de mon corps. Et j'aime beaucoup ce jeans, il est un peu taille haute. Et les magasins, ils s'appellent Chicorée. C'est vraiment, je suis tombée sur ça par hasard et j'ai vraiment aimé les achats que j'ai fait là-bas. Et ensuite, je me suis acheté aussi une petite robe, toujours dans le même magasin, Chicorée. Une petite robe qui se présente comme ceci. Vraiment une robe d'été. Elle a les manches courtes et elle est très légère aussi. Et ça, c'est le genre de robe que je mettrais pour un petit resto en famille. Et comme ça, même si je mange un petit peu trop, quand on sort pour aller pour faire une balade, bah, je ne serai pas gênée. Je ne vais pas cacher mon corps parce qu'il n'y a rien qui se voit. Elle est très évasée. Vraiment très évasée en bas, même en haut, hein, au niveau de la poitrine aussi. Elle est très 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 évasée et elle est très jolie aussi portée. On peut la porter avec des talons ou avec des chaussures plates et ça fait vraiment l'affaire. Elle est très belle, moi j'aime beaucoup. Voilà, elle m'a coûté 19 francs, enfin elle coûtait 19,90 francs et ils l'ont soldée à 50. Et la dernière robe que j'ai pris dans ce magasin là, c'est cette longue robe jaune mélangé avec du vert et du bleu. Et c'est vraiment très joli ce mélange là de vert et du bleu comme ça sur le jaune. Et c'est une petite robe que j'aime bien. Ce genre de robe je mets quand je fais une petite balade avec les garçons ou quand je vais faire des courses. Je suis très à l'aise dans ce genre de robe, j'aime beaucoup. Elle est très très longue, c'est vraiment une très longue robe. Et elle m'a coûté elle coûtait 24,90 francs. Et je l'ai eu à moins 50%. Donc elle est très belle aussi portée. C'est une robe toute simple, mais vraiment très belle. Donc voilà au niveau des habits, tout ce que j'ai acheté. Voilà, on a fini ce haul. Et vraiment j'étais très contente de faire cette vidéo parce que c'est pas dans mes habitudes. Et j'espère vraiment qu'elle vous aurait plu. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, à commenter. Et si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Je me ferai vraiment un grand plaisir de vous répondre. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. On se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye. Mouah.